Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà, ce matin, nous allons parler de Binance, le hacking qui a eu lieu sur Binance. Voilà, ce hacking-là, c'est de ça que nous allons parler maintenant. Voilà, concernant cette vidéo. Voilà. Et donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, déjà activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Voilà. Et donc, Binance a été victime d'un hacking. Bon, voilà, la blockchain Binance, BNB Chain, travaille avec ce qu'on appelle des bridges. Voilà, des ponts interchaînes, c'est-à-dire pour que plusieurs blockchains puissent interagir ensemble. Alors, vous savez que c'est comme s'il y a un cloisonnement, c'est-à-dire l'endroit où les blockchains viennent cloisonner. Alors, c'est cet endroit-là qui a été hacké. Voilà, le point de gestion-là. Alors, c'est ce bridge-là qui a été visé. Alors, cela s'est produit à 0h20. Plusieurs irrégularités sur la chaîne ont été annoncées. Alors, ce qui a aussi entraîné l'arrêt momentané des dépôts et des retraits à cette période-là. Voilà, donc après ça, une annonce a été faite par CZ lui-même disant que les gens, il ne faut pas qu'ils paniquent, qu'ils sont en train de sécuriser déjà et que leurs fonds sont en sécurité. Alors, le hacker, a réussi à dérober plus d'un million de BNB. Voilà, a réussi à mobiliser plus d'un million de BNB, plus de 400 millions de dollars ont été dérobés. On va aller jusqu'à 500 millions même de dollars ont été dérobés. Voilà, une heure après, CZ, comme je l'ai dit, a fait l'annonce pour expliquer que ce point d'éjection, on va dire le pont. Qui a été vraiment ciblé. On a vu aussi d'autres personnes qui ont fait des investigations telles que Sam CZ de Sang, qui a aussi essayé de retracer un peu la chaîne de blocs pour voir un peu la trace qui a été laissée par le hacker. Alors il est arrivé aussi à la même conclusion quand on va du côté technique, il a utilisé une faille de sécurité dans la blockchain en faisant un leurre. C'est-à-dire il a fait une bonne opération normale, Alors il a pris les mêmes informations de cette opération-là qu'il a modifié et trompé les points de validation. Il a trompé là-bas en envoyant une fausse preuve de validation. Alors, ce qui a poussé aussi à valider sa transaction et il a pu dérober plus d'un million de BNB. Voilà ce qui s'est passé concrètement. Alors, dès que ça a été fait, quand ils ont senti ces irrégularités, ils ont suspendu tout. Ils ont blacklisté aussi l'adresse. Donc, de sorte que tous les autres endroits où il va essayer d'envoyer des BNB tels que Tether, tout cela ont blacklisté, bloqué. Si les fonds arrivent net, venant en tout cas de cette adresse, en tout cas c'est bloqué, alors l'alerte a été lancée. Alors ça va être difficile pour lui en tout cas d'utiliser ça pour pouvoir prendre tous ces gains là. Cela dit, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à tout ceci? Alors Binance est dans sa troisième phase de hacking. Dans toute son histoire, ça fait trois fois au moins qu'il a été hacké. Cette fois-ci, ça a été un peu lourd. Un peu lourd aussi. Mais avant ça aussi, on a eu aussi Ronel Network qui a perdu plus de 624 millions de dollars. On a eu Polychain qui a perdu 611 millions de dollars. Alors Vitalik aussi a fait une annonce en son temps. J'avais fait une vidéo dessus où il parlait des Interchain, où il expliquait que c'est un cas qui est important pour pouvoir faire ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les blockchains. C'est important. Mais aussi,
c'est un point de jonction qui permet aussi, voilà, si ce n'est pas bien sécurisé, de créer la faille de sécurité, voilà, entre deux, c'est comme deux maisons se font face. Deux maisons se font face pour pouvoir entrer dans l'autre maison. Tu quittes là-bas, par la porte là-bas, tu rentres en même temps de l'autre côté. Mais le point de gestion entre les deux maisons là, c'est là que si c'est mal sécurisé, les hackers se glissent et il peut aller dans l'autre maison, il peut aller aussi dans l'autre maison. Donc du coup, c'est ce que Vitalik avait dit en son temps, de faire attention. Voilà que cette partie là, c'est une faille de sécurité qu'il faut prendre au sérieux parce que ça peut faire que les gens peuvent ponctionner beaucoup. Alors c'est le cas qui est arrivé aujourd'hui. Mais ce que vous devez être, déjà vous rassurer dessus, c'est que Binance un fonds de sécurité pour voilà, tout ce qui est désagrément qui peut arriver à sa plateforme. Alors vos fonds sont en sécurité. Voilà, comme je l'ai dit, les retraits ont été suspendus momentanément, mais tout est revenu à la normale actuellement. Alors vous devez comprendre là déjà la force et la puissance en même temps de Binance là. Parce que vous avez vu le hacking qui s'est passé avec Hotbit. Alors jusqu'à présent, certains n'ont pas encore réussi à récupérer leurs fonds. Et déjà, Binance, le hacking a été fait vers 0h20. Jusqu'à 9h déjà, c'était déjà sécurisé. Ils ont colmaté les brèches. Ils ont même passé le mot au validateur de changer le protocole. Enfin, plein de choses ont été mises en place et ce n'est pas encore fini. Ils vont continuer encore à fouiller encore pour voir s'il n'y a pas encore d'autres possibilités de hacking. Binance dit en son temps que même les gens peuvent prendre jusqu'à 500 millions, même un peu plus même. Ça ne peut pas empêcher Binance d'atteindre ses objectifs. C'est-à-dire que, quand vous lancez une plateforme, vous savez jusqu'à quel niveau on appelle le point de rupture. Le point de rupture, là, ce n'est pas un milliard de dollars même qui va être ponctionné de Binance qui va empêcher le fonctionnement, puisque déjà, pour la sécurisation seulement, il paye jusqu'à 1 milliard de dollars. Malgré que les 1 milliard de dollars aussi qui ont été payés, les hackers aussi redoublent aussi d'efforts. Alors, vous, quand vous dites de venir vous former et que vous refusez de venir vous former, alors cela doit vous parler maintenant. Parce que si ça ne vous parle pas, je ne sais pas. Parce que quelqu'un qui met jusqu'à 1 milliard de dollars dans la protection, alors si lui il arrive à se faire hacker, toi qui n'as même pas mis 5 francs, donc toi tu comptes seulement si la sécurité qui est donnée, sans toutefois aussi aller chercher d'autres moyens de sécuriser tes acquis, alors ça doit vous interpeller pour dire que même le plus grand, voilà, le plus grand peut se faire hacker. Alors c'est pas nous autres là, on peut pas se faire hacker. Alors pour éviter cela, tout ce qui est protocole qui peut vous aider à sécuriser vos acquis, c'est ce qu'on essaie de vous montrer ici dans les formations. Alors, vous demande de venir vous former pour sécuriser vos acquis. C'est une alerte aussi. Hotbit est passé. Voilà, Binance aussi. Qui sera le suivant? On ne le sait pas. Et vous qui partez créer des comptes sur n'importe quelle plateforme. Alors, ce n'est pas toutes les plateformes qui arrivent à se relever d'un tel hack. Alors, ça monte aussi de 0h20. De 0h20 à 9h déjà. Le truc est déjà circonscrit, c'est la force de Binance aussi qui a été montrée ici. Mais cela ne dit pas aussi que, voilà, vous devez rester là sans prendre des précautions. On ne met pas tous ces œufs dans le même panier. Voilà ce que vous devez comprendre ici. Voilà, plus d'un million de BNB ont été dérobés. Alors, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Voilà, c'est aussi un cas d'école pour donner la possibilité aussi aux uns aux autres de réfléchir pour se dire, ah, quel que soit ce que nous faisons comme investissement, on doit veiller à la sécurité. Plus de 500 millions de dollars qui ont été dérobés comme ça, c'est pas petit. Alors, vous devez sécuriser vos acquis. Voilà, donc c'était juste cette news là que nous avons voulu vous partager et en même temps profiter de cette occasion aussi, interpeller les uns et les autres qui n'ont pas encore fait la sécurisation avancée. Alors, de l'être soit qui a aussi une plateforme décentralisée, alors de le faire. C'est vrai que, c'est-à-dire que par rapport à ce hacking, les pièces n'ont pas souffert parce que Binance, quand même, c'est une plateforme assez solide qui a une assurance. Alors, dans un tel cas de figure, est-ce que vous savez que Binance sera remboursé? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Binance sera remboursé parce que, ils ont assuré leur plateforme. Ça, c'est un premier point. Et quoi, il y a une deuxième assurance par rapport aussi aux investisseurs, aux utilisateurs. Encore, vos fonds sont en sécurité. Voilà.
Donc tout ça, Binance est comme une banque en fait, c'est ce que vous ne savez pas. Et donc c'est le premier, voilà, dans l'écosystème des crypto-monnaies. Donc à chacun maintenant de se lever et de prendre son destin en main en créant cette sécurisation autour de ces monnaies afin que 2025 trouve tes pièces en bon état et tu puisses profiter, voilà, du prochain bull run. Ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. Rentrez en contact afin que nous puissions vous aider à sécuriser vos acquis et profiter de l'écosystème actuellement de la crypto-monnaie qui est une opportunité dans cette période de baisse où le Bitcoin qui est en train de osciller, descend 18 000, 19 000, 21 000, il est en train de osciller dans cette zone. Alors profitez de tout ça dans l'écosystème. Pour la formation au niveau de San Pedro, c'est le 17 et 18 novembre prochain. Voilà, entrez en contact avec le leader qu'on appelle Tébi Joseph, avec le leader aussi Sengo, voilà son acolyte de tous les jours pour vos inscriptions. Au niveau d'Abidjan, c'est le premier, c'est aussi en 3 jours, alors ça sera le 29, le 30 et le 1er novembre prochain aussi à Abidjan. Rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. Au niveau de Mans aussi, très bientôt, alors rentrez en contact avec le grand leader Nyawa pour vos différentes inscriptions au niveau de Mans. La formation au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Didier que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au niveau d'Abenguru, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle voilà, Yapi, voilà, pour vos différentes inscriptions, interagissez avec lui. Au niveau de Daokoro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya, qui fait tout là-bas aussi pour que nous soyons aussi à Daokoro, pour dispenser aussi la formation. Voilà, donc j'interpelle aussi tous les amis de là-bas de rentrer en contact avec le leader Yaya, afin de pouvoir profiter de cette formation. Voilà. Donc, la formation au niveau d'Azopé, c'est avec le leader qu'on appelle Yves Le Prince, que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Voilà. Au niveau de l'international, à Ouagadougou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Dieudonné, que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au niveau de la RDC, entrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Faustin pour les différentes inscriptions. Et nous terminons avec voilà, la zone du Togo, avec le grand leader qu'on appelle Abraham, pour vos différentes inscriptions. Voilà, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.